Salut, c'est Sandard et bienvenue sur une nouvelle session Retro Achievement avec aujourd'hui un jeu que je connais très bien parce que je vous l'ai présenté il y a déjà de cela plus d'une dizaine d'années. C'est King of Demon Majuyu, sorti en 1995, développé par KSS sur Super Nintendo. Alors les achievements, il faut finir les niveaux, il faut vaincre tous les boss sans se faire toucher. Et je crois qu'on va finir ce jeu vite fait, vous allez voir. Celui-là, je le connais, hein. Y a pas de souci. Alors l'histoire, je m'appelle Abel et ce démon là a tué ma femme, il a kidnappé ma fille parce qu'elle est vierge et comme toutes les vierges, hein, voilà, elles aident les démons à régner sur l'univers. Alors blablabla, le jeu est en japonais. J'ai pas mis la version anglaise parce que pas compatible Retro Achievement. Oh mon Dieu, il m'a tué, c'est incroyable. Mais heureusement, ma femme m'aide. Elle se réincarne en fée. Enfin, voilà quoi. Bon, alors déjà, ce premier boss, sans se faire toucher, ça va être chaud. Voilà, faut juste sauter devant lui. Non! Premier achievement, oui! Defeat Bayer. Et voilà ma femme. Oh mon chéri, je vais t'aider à sauver notre fille. Voilà, deux achievements d'un coup. C'est bourré d'achievements, hein. Salut Safrater, salut The Lord Omega. GG! Ah, j'aurais peut-être dû mettre le jeu en hard. Oh, je m'en fous, je referai le jeu en hard. D'abord le jeu en easy. Sans se faire toucher, s'il vous plaît. Y a un gros ver qui me suit. Oh là là. J'adore ce jeu. Alors oui, il y a un double saut. Voilà, comme ça. On peut l'enclencher quand on veut. On peut faire comme ça aussi des roulades pour éviter les tirs ennemis, les attaques ennemies. Attention lui, parce que lui. Lui, il va me toucher, lui. Je fais le jeu sans me faire toucher. Oh, mais c'est raté. C'est complètement raté. Oh non, 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 non. J'ai dit que je faisais le premier niveau. Désolé, hein. C'est un jeu que je connais bien. Il faut que je fasse au moins le premier niveau sans me faire toucher. C'est le minimum. J'aurais dû aller voir les options. Allez, on y va. Oh, et le petit chat, regardez. Je ne sais pas du tout si c'est tiré d'un manga, d'un animé. Je ne crois pas. Facile. Il faut aller tout là-haut, dans la tour. Je vais me faire toucher là. Bon, si je le rate, je recommence pas. On peut faire des attaques vers le bas aussi. Comment on fait déjà? Comment on fait l'attaque vers le bas? Voilà, comme ça. Il faut maintenir la touche saut et la touche d'attaque en même temps. Et appuyer vers le bas. Tu. C'est pas difficile comme jeu, quand tu le connais bien.
Pas de panique. Non, non, mais celui-là, il est pas difficile. Je le connais très bien, ce jeu. C'est un peu mon Batman sur Super NES. Un sans faute! Alors, premier boss. Allez, vas-y, envoie tes blobs là. Là, il va venir vers moi et. Hop! Tout simplement. Salut Karims! Sans prendre de dommages! Là par contre ça se complique un peu. Surtout avec ces gargouilles là. Voilà, et tant que je ne meurs pas, je garde ma fée. Salut Sensato! Comment ça va? Il faudra bien que je termine ce jeu un jour. Il est facile. Ah, c'est l'un des plus faciles sur Super NES. Regardez ça. Il pleut des achievements. Attention. T'avais pas déjà fait une vidéo à l'époque? Si, si, si. Oh merde! Mais merde! Oh, je me suis fait avoir. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une présentation de ce jeu. C'était l'une de mes premières vidéos. Bon, là par contre, j'ai merdé quoi. Je vais pas recommencer, hein. On fera ça en hard. Mais. Premier vrai boss. Bon, encore une fois. Celui-là, sans se faire toucher, c'est un peu plus chaud. Là, je sais pas si je vais y arriver. Allez, sors-moi ta langue, toi. Voilà. Ok. Oui. Alors là, il y a un diamant qui apparaît. De plusieurs couleurs. Il y a l'orange, il y a le vert et il y a le bleu. Si je prends. Bah, je prends. Attendez, voilà. Attendez, ça va se répéter. Donc si je prends l'orange, je me transforme en hybride. Voilà, et si je prends toujours la même couleur, j'augmente mon pouvoir hybride. Et si je n'avais pas pris de diamant, je serais resté en humain. Et donc il y a une vraie fin. Il faut, merde, choisir les bonnes transformations dans le bon ordre. En fait, il y a 5 façons de faire le jeu. Bon, déjà là, c'est mort, hein, le Deathless. Enfin, Deathless sans se faire toucher, quoi. Alors, elle, je les bouffe! Ok. Merci pour l'achievement du snack. Je peux les bouffer et regagner de la vie vu que je suis en démon. Chose que j'aurais pas pu faire en humain. Oublié de charger son tir aussi. Merde. Je tire à côté. Ça c'est de la life. Ok. Doudou doudou.
Et une vie supplémentaire. 20 000 points. Bon, alors lui, sans se faire toucher, ça va être tellement chaud. Ok, parfait. En fait, il a plusieurs attaques. Ok, celle-là, elle est facile à esquiver. Je crois qu'il a trois attaques différentes. Voilà, ça c'est la merde. Fais chier. Pff, ouais, bon, laisse tomber. Bon, évidemment, il fait pas l'attaque la plus simple. Hein. Allez, vas-y, fais ton attaque simple. Non, tu m'emmerdes. Ça, c'est le pire boss pour les speedruns. C'est total RNG. Oh, ne venez pas me dire que la RNG n'existe pas. Mais vas-y, fais-moi ton attaque facile, là! Montre aux gens! Il l'a pas fait. Faudrait que je croque une fée ou deux. Allez, vas-y, sors! Allez, sors! Bon, il faut absolument les tuer, celles-là. Hein. Les fées. Parce qu'elles attaquent, elles sont increvables lorsqu'elles attaquent. Elles vous balancent des boulettes, c'est la merde. Mec, qui le con, il se fait toucher alors que ça n'attaque même pas. Alors ce boss, il est hyper chiant. Le boss conjonctivite, là. Le gros œil, tout rouge. Faut se mettre devant lui lorsqu'il tire le laser. Si tu te mets en dessous, tu peux pas l'esquiver. J'ai de la chance là. Là, si tu le rates, tu reçois le laser sur ta gueule. T'es obligé de charger ton tir. Merde! Allez, dégage! Et c'est mort. C'est mort. C'est hyper chaud de faire ça sans se faire toucher. Putain, je vais pas mourir quand même. Oh, je hais ce boss. C'est même pas le boss du niveau en plus. Ce n'est que le sous-boss. Ça, c'est le vrai boss. Bon, par contre, celui-là, ça devrait aller. Hein. Merde. On ne panique pas. Oh non! Oh non, 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 non! Ah non, non, je refuse, quoi. Il est tellement simple, celui-là. Oh, ça me fait chier. Bon, bah, c'est mort. Voilà, mais regardez ça, c'était tellement facile. Bon, j'ai pas envie d'augmenter mon pouvoir, j'ai envie de changer de démon. Je prends le vert. Et je suis le centurion! Voilà, j'ai vaincu Orchid. Orchid Empress. Et en plus, sans mourir. Voilà, évidemment, si je fais tout le jeu avec la petite fée, c'est aussi des achievements. Bon, là. Le niveau du timing.
où t'es obligé de charger ton tir parce que t'as pas le temps. Si tu ne fais que tirer, tu vas te faire avoir. Bon, lui. Lui, sans se faire toucher. Ça devrait pouvoir se faire. Si je suis pas trop con. Non, je suis trop con là. Allez, mais crève! C'est bon, t'es mort là. Voilà! La smart bombe. Alors là, tu perds. Tu perds facilement ici. Si tu te fais toucher, tu es. Non! Tu es projeté en arrière et forcément, tu te casses la gueule sur les rails. Là, c'est vraiment du par cœur. Non, non, non. Oh! Je sais plus là. Là, il y en a un en dessous qui va tirer. Donc. Voilà, non, c'est la merde. Et merde. Et merde, je me suis foutu dans la merde. Vas-y, tire! Ok. Pas de panique. Oh! Là, c'est un challenge, hein, faire ce jeu sans se faire toucher. Putain, là c'est pareil quoi. Oh, bah, ça va. Ça a l'air facile comme ça, hein, mais je vous invite à y jouer. Maximise your HP, attention. Je vous invite à y jouer, vous allez voir, c'est pas si simple que ça la première fois. C'est surtout ce niveau-là qui pose problème. Ouh là 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 là, fais pas le con. Parce qu'ils font des attaques vers le haut, c'est con. Non! Ah, merde! Voilà! Évidemment, tu recommences tout le stage. Voilà, une petite erreur et c'est mort. Premier fail. Ah mais le gameplay est très très rigide, et c'est ça qui est bien. C'est rigide comme un Castlevania sur NES. Allez, 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 hop. Oh, ça me donne même pas de points ça.
Allez hop! C'est facile ou non si on joue en casual? Je sais pas te dire. C'est pas. Enfin. J'ai vu des gens y jouer en 1 heure, 2 heures, c'est pile. Même en découverte. Par contre, pour le faire sans se faire toucher, là, c'est autre chose. Là, je pourrais foncer, hein, mais bon. Bon, peut-être pas ce stage parce que tu te casses la gueule facilement. Mais sinon, les autres stages. Ah, gne, 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 voilà, j'ai failli me viander là. C'est comme Tanzer. Tanzer, quand tu le connais par cœur, en 1 heure, en 30 minutes, c'est fini. Bon, là, ces cons-là vont me faire chier. Faut que je te fasse une démo de Tanzer. La même connerie que tout à l'heure. En fait, le truc, quand tu lances ton attaque, tu peux pas faire de double saut. C'est logique. Et moi, je fais un double saut comme un connard. J'ai encore failli le faire. Non, mais Tanzer, c'est... Tanzer, je crois que franchement, c'est mon jeu Mega Drive préféré. Franchement, j'ai passé des heures sur Tanzer, quoi, vous n'imaginez même pas. Faudrait que je l'achète, d'ailleurs, le jeu. Ah, merde! Bon, c'est la première fois que j'y joue en live, aussi. Il joue beaucoup en off à Majuyu. Et le boss de ce stage, alors là, si je le réussis pas sans me faire toucher, c'est que je suis vraiment, vraiment un gros nulos, quoi. Les boss sont faciles. C'est ici, hein. C'est ici le problème. Non, c'est plus loin. C'est là. C'est là. Non, c'est pas là. Encore plus loin. Mais ça va, je récupère des vies. Voilà. J'ai encore failli faire la même connerie. Bon. En plus, j'étais près du boss. Oh, tu le con, putain. Regardez ça comme c'est difficile. Non. Allez, charge, putain. Oh, ce ralentissement! Voilà, c'est bon! Oh, regardez ça, ce décor magnifique. Le jeu est super beau. Hein. Chouchou! Et voilà, vaincre Brachiura et sans prendre de dommages. Alors là, ce niveau en hard, tu pleures. Tu te fais toucher 2 fois par ces espèces de saloperies là. Les flocons, et c'est fini. Le truc, s'il faut se mettre là. Charger son attaque, la sortir au bon moment avant que ça touche le sol. Il y a 2 fois plus de flocons aussi. Attention, on bouge pas. Okay. Et cette musique, oh là. Ah, j'ai failli l'oublier. Non, non. Pour surveiller ses arrières.
Ça vient toujours par derrière. Oh putain. Ah, je déteste ce stage. Allez, go, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Salut Rétrovision! Salut Robin, comment ça va? Bah, oh! 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 What? Il se passe quoi là? Première fois que ça m'arrive ça. Bon, par contre, ce passage. Pourquoi ce passage? Où est la difficulté? D'ailleurs, on comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Quoi? Oh la vache, putain que... Faut que je ferme ma gueule, moi. Vous allez voir, en hard, ça ira beaucoup mieux. En plus, c'est long. Ah, là, c'est le karma, là. Et regardez, là, il n'y a plus rien, quoi. Là, je pourrais me mettre là, aller me faire un café, c'est bon. Alors, vous, ça va? Et là, t'as un truc qui m'arrive dans la gueule. Je sais pas si le scrolling me tue, donc on va avancer quand même un petit peu. Et là, un petit hommage à Castlevania 4. Ou un plagiat, comme vous voulez. Oh mon dieu, ça c'est fort. Avec des chauves-souris. Enfin, c'est pas des chauves-souris, c'est des gargouilles. Et en hard, il y a deux fois plus de gargouilles et ça va. Et ça s'effondre deux fois plus vite. Quand tu le fais en hard, il n'y a pas de grande différence les deux premiers niveaux. C'est vraiment à partir de là que ça. Bon, là, je vais mourir. Je me souviens plus du pattern et je vais crever. Quoi? Bon, je suis pas mort parce que ma femme m'a sauvé la vie. Oui, alors le truc. Ça, on s'en fout. Voilà, faut se mettre là et va te faire foutre. Lui, faut se mettre toujours. Voilà, comme ça. Faut se mettre devant sa gueule lorsqu'il tire. Oh putain! Lorsqu'il tire, parce que sinon il tire vers toi et tu sais pas. La téléportation qui n'a pas fonctionné! Je dis plus rien, moi. Je la ferme. Je suis pas en train de vous présenter le jeu, là. Il faut faire des petits sauts comme ça, quoi. Là, faut se mettre comme ça, et là, tu t'éloignes. Et merde! C'est dès que le truc part, en fait, que tu dois t'éloigner. Et merde, il en avait encore une. Allez, crève! Dégage! Dégage! Oh putain! Mais non, je veux dire, oh putain, je me souviens maintenant comment on fait. Mais non, mais c'est tout con en fait. Faut pas faire d'attaque chargée avec lui. Bon, ça par contre, je sais pas comment on l'évite. Voilà, si tu restes bien éloigné de lui et que tu vises bien. Et que t'évites bien ces saloperies de boulettes là, ça passe. Putain, mais comment on fait pour éviter cette merde? Ouais, d'accord. Putain, mais la téléportation, ça marche pas, hein. Normalement, ça te permet d'être invulnérable. C'est un dinosaure papillon. Une belle saloperie.
Ah putain non! Oh non! Oh non! Il restait plus qu'un coup, quoi. Putain, chier. Bon, on prend la dernière couleur. La couleur bleue. Et je suis un dragon. Azur dragon. Putain, pour un coup. Dégoûté. Bon, là, d'après les gens qui découvrent le jeu, le niveau le plus simple du jeu. Il suffit de charger ton énergie et tu balances quand il faut. Tu peux manger ces saloperies d'harpies de je sais pas quoi, des sirènes volantes, pour regagner de la vie. Attention, ça brûle! C'est juste lui qui est chiant. Vas-y, balance ta boule là. Oh, y a pas d'achievement. C'est trop facile. Ah, je récupère la fée. Oh! Première fois que je tombe dans la lave, je savais même pas qu'on pouvait mourir comme ça! Putain! Là, le truc, c'est qu'il faut foncer sur la sirène. Tu fonces sur la sirène et t'es invincible. Ah oui, on peut faire ça aussi, mais je le fais pas souvent. Voilà, tu tues la. Oh. Tu tues la fée et tu fonces. Faut pas la rater, quoi. Allez! Elle est où? Il y a pas mal d'Ixten, hein. Alors là, il y a deux embranchements. Il faut d'abord aller là-haut pour aller chercher la clé. D'abord tuer les ennemis là en dessous. Vas-y, monte. Oh là là, t'es chiant. Bon, ok, je vais sur la petite plateforme. Voilà. Alors voici le boss le plus hard en hard. En normal ça va, mais en hard putain lui. Déjà un coup t'es mort. Je vais même pas essayer de le faire sans se faire toucher lui. Le pattern je le connais pas. Et voici la clé! Un contrôleur arcade USB? Je ne sais pas. Alors oui, niveau très facile parce que... Attention quand même!
Est-ce que tu as de l'énergie illimitée? Voilà, tu sors de l'écran, tu reviens, ça revient, et tu te remplis, et il n'y a pas de souci. Bon, là tu charges. Tu charges toujours. Dès que tu vois un truc, tu l'exploses. Parce que t'as pas le temps de traîner ici. Bah alors, elle est où la lave? Normalement, je suis poursuivi par de la lave. Ok, voilà, merci. Quand il y en a plusieurs, vaut mieux le faire. Voilà, en restant éloigné, parce que sinon tu rates celui qui est devant toi. Ça, tu t'en fous, tu prends pas. Allez! La connerie! J'ai fait la connerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est celui-là qui s'effondre. Oui. Et là, le boss. Le sous-boss. Retourne dans Gunstar Heroes, toi. Encore un qui s'est trompé de jeu. Bon, là, faut passer en dessous. Voilà. Oh, putain. Si je le tue maintenant, je suis dégoûté. Il ne reste plus qu'un coup. Non, ça va. Aucun regret. Ok, c'est bon. Je regrette rien. Quarante-six secondes. Ok, ça va. Ça me remplit du time. Parce que le boss il est assez long quand même, l'autre. Le vrai. Non, non, non! Putain de merde, dégagé! Faut toujours charger avant de sauter. Voilà. Putain, mais. Je suis dégoûté, je perds jamais à ce jeu! Putain! Allez, 100 000 points. Y a pas un achievement avoir 10 extend en une partie? Non, je dois me retaper le boss, je crois. Ouais. Boss de merde. Bon, j'ai tenté sans me faire toucher, mais non. Ce sera pour une autre fois. Oh là 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 là! Putain, mais faire le jeu tout en humain, ça j'ai jamais réussi par contre. Hein. Enfin, j'ai jamais tenté. Là là là. C'est tendu ici. Ah, mais le boss. Mais jamais. On va recommencer ce stage, je le sens.
Bon, le truc, lui, s'il faut, faut lui péter les mains, mais pas les deux. Parce que si tu lui pètes les deux, il s'énerve encore plus. Donc il faut en garder une. Voilà. Et là, faut tirer dans l'œil. Je crois. Oui. Logique. Oui, c'est bien sa barre de vie qu'on voit là en vert. Merde, je sais plus comment on fait, c'est pas comme ça qu'on fait en fait. On peut le faire comme ça, mais c'est long. Et au moins j'aurai l'achievement. Non, mais je vais mourir au timer. Là. Ah non, mais son autre attaque, elle est tellement dégueulasse, je vais mourir. C'est long, c'est long, c'est long. Non, non, mais j'y arriverai pas. Non, 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 on va taper l'autre main, voilà. Pas mourir au timer, quoi. Putain, mais je déteste tellement. Vas-y, fais ton truc là. Quoi? Ah, voilà. Voilà, ça c'est la merde. Bon, ce sera pas pour cette fois. Et là, je sais plus. Ah ben voilà. Là, je prends le gris. Et ça, c'est ma transformation ultime. Mystérie Dark Crystal. Devenez la plus puissante des créatures. Et là, c'est la fin. Déjà. Ce jeu est très court. Donc là, je peux faire ça. Je peux faire ça. Et bienvenue dans le boss rush. L'araignée. Merde! Fais pas le con. Voilà, là ça change pas. C'est comme dans l'ascenseur. Voilà, sauf que là, évidemment, ils sont plus rapprochés, quoi. Voilà, ils sont plus rapprochés, ces saloperies. Moi, je peux me servir de fée entre les boss. C'est quoi le deuxième encore? Ah, c'est l'espèce de saloperie. Ouais, ça c'est de la merde. Voilà, ça c'est l'attaque la plus simple. S'il me fait que ça, ça passe. C'est hyper simple à esquiver. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais rater, vous allez voir. Non, facile. Ça, par contre, c'est un peu plus chaud. Ça, c'est un peu plus chaud. Parfait. Parfait. Reste comme ça, c'est bien. Oh merde! Celui-là est tellement simple. J'espère qu'il n'y a pas l'achievement de faire le boss rush sans se faire toucher. Merde! Voilà, la connerie. Et là, un boss qu'on n'a pas vu dans le jeu. Je sais pas d'où tu sors, toi.
encore un hommage à Castlevania. Okay, go. Go. Et là, logiquement, c'est le boss final. Si mes souvenirs sont bons, c'est... Non. Non, non, c'est pas encore le boss final. Ah si. Si, 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 si. Bon, alors là, blablabla. Et là, il y a ma petite fille. Oh là là. Papa, il y a mes têtes. Bon, là, je sais plus. Je sais plus. Je sais carrément plus. Il fait quoi, lui, déjà? Je le défonce. Ok. Ok, bon, d'accord. C'est mort pour le... Sans se faire toucher. Ah, mais oui, mais c'est hyper facile. Je me souviens. Voilà, voilà, il t'atteint jamais, parce qu'il est trop con. Là, il suffit de sauter. Et voilà, c'est hyper facile. Oh. Voilà, tu peux pas rater ce boss, quoi. Quoi? Bon, là, par contre, il va faire un truc. Merde. Terminé. Ah non 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 oui 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 oui, oui. Il y a encore là on est là, il y a c'est vachement du Tanzer hein. Bon alors là toi, dès que je m'approche tu m'attaques. Salut Olite, attention, go, 1 2 3. Non, je ne veux pas de bisous. Allez go, casse toi allez, first try là. Non! Combien de vies il me reste? C'était pas la dernière? Non, c'est bon, ça c'est la dernière. Alors quand tu rates le boss, je crois qu'il faut refaire le boss rush. Non? Non. Non, 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 c'est bon. Et blablabla. Bla, 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 bla. Faut pas refaire le boss rush, ça va pas, non? Quel con. Non, 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 faut pas charger avec elle. Sinon t'as pas le temps de sauter. Voilà. Ah! Oh bien, là, là elle m'a eu. Elle a fait un petit saut en arrière, ça m'a perturbé. Oh putain. Ok.
Ok, c'est bon! C'est terminé! Le true ending! Je suis une licorne? Ah bon? Avoir la meilleure fin sans utiliser de continu! Ah bah c'est parfait. Et voilà, je retrouve mon papa et tout va bien. Enfin, je retrouve ma fille plutôt. Comme c'est mignon. Bon, maintenant on va faire le mode hard. Je vais tout de suite enchaîner sur le mode hard. Allez hop, bla 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 bla. Merci KSS.